sur une nuit de la cité, une nocturne avant les heures. Ce serait bien, ouais. Asni Erdogan, le mandarin miraculeux, mort de café. Morne café, jardin de thé, café, bar réservé aux hommes, cafétéria self-service, pâtisserie, piano bar, blotti à l'ombre des platanes, sur les sentiers des plages, à l'entrée des immeubles, avec des chaises blanches de métal, des tables de verre, des chaises de paille, des nappes à fleurs, avec des affiches de films sur les murs et des tables et des chaises de bois. Je pourrais retracer le chemin de ma vie en suivant ces cafés moroses comme une toile d'araignée tissée au fil des ans. Mon voyage a commencé dans les jardins de thé, au Calamy, au Versailles et à l'odeur de mousse. J'avais 15 ans. J'aimais pour la première fois. J'ai noté cette histoire automnale quand j'ai eu ma jaunisse. À 16 ans, j'ai émigré au jardin de thé du Montremel et Liechtenstein. Et c'est là, sous les acacias, que j'ai bu mes premières bières. Vinrent ensuite des cafés d'Ortakoy, avec, dans mon sac à main, des volumes de Dostoïevski et des paquets de Samsung. J'ai découvert les galettes fraîches au César. Et la fusion de sauge. Le café de Taksim, fréquenté par des dealers, des voleurs et des travestis, caché dans une ruelle en pente malfamée, et où les flics débarquaient tous les samedis soirs. C'est là que j'ai appris à jouer au trick-track, que j'ai connu les voyous et les descentes de police, me vantant pendant des années d'être la seule fille à mettre les pieds dans un tel bouillie. A changé. Les somptueux cafés parisiens fréquentés par les gens célèbres, les lourds, maussades, sépulcraux cafés de Prague où tous les visiteurs se prêtent pour Kafka, je garde en mémoire une cave de Gdańsk où il n'y avait rien d'autre à manger ou à boire que du Coca-Cola chaud. Le ventre plein de gargouilles, je regardais les bagarres des marins du port et les putes aux cheveux blonds. On buvait des verres de thé, de la sauge, du tilleul, du café, du Nescafé concentré ou allongé, de l'érable, des jus de fruits, remplissant et vidant verre après verre, en compagnie des milliers de fois j'étais amoureuse. J'ai pris l'habitude de fumer, tenu et entendu des propos de rupture, discuté sur Fellini, le postmodernisme, le Dostoïevski, dit des inepties, débité de fines plaisanteries. J'ai ri aux éclats, eu les larmes aux yeux, lu des lettres, déchiré mes poèmes, écrit des récits. 12 ans ont passé depuis que j'ai quitté les jardins de thé, de Calamy, et me voici dans un autre café. Cette fois-ci, c'est dans la vieille ville de Genève. Devant moi, au lieu d'un thé fort comme du poison, il y a un Nescafé allongé. Les tasses de porcelaine sur une propreté impeccable. Personne ne me dévore du regard. Les toilettes ne sont pas malodorantes. Je ne crois pas avoir la nostalgie de la fille de 15 ans, obsédée par sa virginité, qui lisait Simone de Beauvoir et écoutait du jazz en essayant d'apprendre à tirer sur sa cigarette. Au mieux, je la tuerai durant 2 ou 3 minutes dans un coin. En fait, je ne saurais pas quoi lui dire. Il est très probable que rien d'intéressant ne me viendrait à l'esprit. Nous observerions d'un air soupçonneux. Elle regarderait mon œil blessé et envierait mon statut de femme mûre, expérimentée, libre, qui a enduré toutes les souffrances et lu tous les livres. Moi, je considérerais en soupirant sa naïveté, son optimisme, son espoir, mais je n'aurais strictement rien à lui dire.
et jamais je lui avouerai qu'elle deviendrait un jour cette créature qu'elle observe, avec des yeux pleins d'admiration, de pitié et de crainte. Asli Erdogan, actuellement en prison en Turquie.